Organiser un marché de l'artisanat au café était une idée fantastique, Chini. Oh, tu as toujours des idées fabuleuses. Comme cette idée-là. Une glace aux anchois et aux cornichons. J'adore. Super idée. Tout comme inviter nos amis pour nous aider contre des smoothies gratuits. Flick donne des leçons de peinture. Vite. Aïe. Larissa et Ringlet enseignent le yoga. Position de la paille. Et Sage & Kepper fabrique des parfums. Oh non. En effet, j'ai fini mon smoothie. Oublie ton smoothie vide, Kepper. Nous n'avons plus de feuilles bleues. Kepper. Kepper. Tu veux bien aller en rechercher? D'accord. Oh. Génial. Et n'oublie pas, ne touche surtout pas aux feuilles rouges, c'est du poil à gratter. J'aurais peut-être dû commencer par là. Juste à temps. Bonjour les amis. Qui veut tester notre parfum? C'est gratuit. Bien joué. Tout le monde adore le parfum. Regarde, ils en sautent même de joie. Ils se frottent sur tout le corps. Ils en veulent encore plus. Quoi? Ils sont tellement heureux qu'ils... qu'ils se grattent les uns les autres. Ce n'est pas bon signe. Kepper, de quelle couleur étaient les feuilles que tu as mises dans le parfum? Oh oh. Kepper, les feuilles rouges provoquent des démangeaisons. On n'appelle pas ça du poil à gratter pour rien. C'est clair comme appellation. Désolée. Vite! On doit se débarrasser de cette bouteille avant que quelqu'un d'autre ne soit contaminé! Et voilà! Comme ça, il ne peut plus rien arriver de mal avec ce parfum! Oh oh. De ma faute. Oh non, ce n'est pas de ta faute, Kepper. C'est de notre faute à toutes les deux. Merci. Disons 75% ta faute, 25% la mienne. Attention. Le canard. Oh, il faut qu'on arrange ça avant qu'un de nos amis ne se blesse. Mais le seul remède, ce sont les flocons d'avoine. Miam. Génial. Non, il ne faut pas les manger. Il faut les mettre sur la peau. Oh. Cela calmera les démangeaisons. Ah. À la cuisine, vite. Vicky, il nous faudrait une grande dose d'avoine. Désolée, ça me chatouille trop pour cuisiner, mais tu peux utiliser ma cuisine. Donne-moi ça. Hé, elle est à moi, cette brosse à dents. Depuis que je te l'ai empruntée, je veux dire. Ce n'est rien, je sais où il cache ses pinceaux. Voilà, c'est prêt. Et maintenant, la dernière étape. Vas-y. Attention, c'est parti, Kepper. Bien. Les flocons sont mal cuits. La marmite est vide, Kepper. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, ce n'est rien, ne t'en fais pas. Aussi incroyable que ce soit, on a fini par trouver quelque chose d'encore plus mauvais que la glace aux anchois et cornichons inventée par Chini.